c'est ben niaiseux. Pour vraiment bien dormir à l'hôtel. Mon plat préféré. Pour avoir tout cet espace d'entraînement-là. Ça paraît pas, mais j'ai dû réaménager la chambre. Fait que le deuxième sofa traîne au milieu du chemin, puis la chaise de bureau. Ça vaut la peine. L'entraînement que j'ai fait ce matin, c'est un bon exemple de comment rentabiliser le peu de temps ou d'énergie que tu as sans sacrifier la qualité ou l'intensité de ton entraînement. Moi, ce matin, je dormais plus à 4h45. Je suis pas très contente. Ça veut dire que j'ai dormi 6 heures
C'est sûrement l'americano que j'ai bu hier qui m'a. C'est pas grave, ça va être une belle journée pareille. Mon magasin est à exactement 3 minutes. Je peux commencer à 8 heures au lieu de 9 heures, ce qui est vraiment très le fun. Ça veut dire que je vais finir plus tôt. Je vais avoir le temps d'aller faire un autre magasin. Vu que j'étais réveillée tôt, j'aurais eu le temps de faire un entraînement d'une heure, sauf que j'ai choisi de respecter mon niveau d'énergie. Donc, j'ai été avec un entraînement style AMRAP que je me suis créé. Donc, AMRAP, ça veut dire as many reps as possible selon un temps donné. Moi, j'ai choisi 4 minutes. Ce que j'ai fait, c'est des supersets, donc deux exercices, 8 reps de chacun de ces exercices-là de suite en 4 minutes. Par exemple, un de mes supersets, c'était shoulder press et tricep kickbacks. Donc, je vais faire 8 reps de shoulder press, suivi tout de suite par 8 reps de tricep kickback. Puis je recommence, je reviens aux 8 reps de shoulder press, 8 reps de tricep kickback, tout ça pendant 4 minutes. C'est long, 4 minutes. Pas de repos, là. Aucun repos entre ces répétitions-là pendant 4 minutes. Puis après les 4 minutes, je me donne 1 minute de repos avant de passer au superset suivant. L'entraînement, je l'ai créé pour que ça soit 30 minutes. Évidemment, je compte pas l'échauffement ni le cool-down après, ce qui rajoute environ 5 minutes chacun. Donc, c'est peut-être 40 minutes. Je suis vraiment contente. C'est vraiment dur. La première fois que j'ai entendu parler de ce concept-là, j'étais comme, ben là, c'est ben niaiseux. Mais non, c'est pas niaiseux. Je suis vraiment contente d'avoir ça dans ma boîte à outils. Les journées que j'ai pas envie d'un entraînement linéaire, disons, pendant une heure, même si j'ai tout mon temps, et même toute mon énergie, des fois j'ai envie de me challenger parce que justement, c'est pas parce que c'est plus court que c'est pas intense. Fait que ça, c'est un exemple. Entre mes deux magasins, j'ai mangé une barre protéinée Clif aux brownies. J'ai fini de travailler plus tôt que je pensais. Je me suis dit, opportunité parfaite d'aller explorer la trail qui passe vraiment juste en arrière du magasin où j'étais ce matin, là. Puis j'avais décidé de laisser mes bottes, mon foulard, ma tuque, mes mitaines, toutes dans mon auto. Comme ça, si en venant travailler, je vois un spot intéressant, je peux être prête à aller explorer. Là, il fait vraiment chaud, là, surtout au soleil. Au début du chemin, c'est une grande trail, puis il y a beaucoup de traces de motoneige. Mais j'ai continué, puis j'ai vu un petit chemin qui menait à la rivière. Puis là, je suis en train de longer la rivière, puis wow! Ce soir, je suis pas mal excitée parce que j'ai été chercher mon plat préféré chez Thaï Express, que j'oublie toujours le nom, je crois que c'est panang, je sais pas trop, là, bol coco arachide. Moi, je demande toujours extra tofu. Fait que c'est en dessous, c'est du riz, il y a des légumes, c'est beurre de peanut et coconut. Moi, j'adore ça, c'est mon repas préféré. Et je prends toujours un petit rouleau. La sauce. Fait que. Et je me suis fait une side de salade parce que je veux utiliser ma roquette parce qu'elle a gelé dans le frigidaire. Le fromage aussi a gelé, là. Fait que j'attends un peu avant de le manger. Mais ça, c'est une façon d'équilibrer resto et santé. Tu sais, je me gâte avec mon plat préféré de Thaï Express qui n'est pas ultra santé. Mais tu sais, t'as quand même des protéines avec le tofu, un peu de légumes. Puis je me fais un side de salade. Tout ça pour dire que c'est important de se gâter, puis c'est pas parce que tu dévies de tes habitudes ou moi, là, je préfère toujours manger clean. Tu sais, je vais toujours essayer de, quand je construis mon assiette, d'avoir, tu sais, mes carbs, mes protéines, mon bon gras. Puis tu sais, pour vrai, ça c'est quand même un bon exemple d'un repas complet de ce que je viens d'expliquer. Mais bon, ça reste du fast-food, ça reste free. Mais c'est ça, c'est pas parce que je préfère manger clean la plupart du temps que j'ai pas le droit de me gâter de temps en temps. Surtout que, tu sais, là, je suis à l'hôtel. Fait que je peux bien en profiter. Ah.
Bien dormir à l'hôtel. La fan. Aujourd'hui, c'est rest day, donc j'en ai profité pour faire un peu de yoga parce que je me sentais raquée de mon dernier entraînement de jambes d'il y a 3 jours. Parce que quand je vais à l'hôtel, j'emmène l'équipement minimum. Donc, j'emmène mes 2 dumbbells de 15 livres. Parce que avec mes 2 15 livres, je peux entraîner tout upper body au complet, sauf des mouvements comme bench row. Parce que le dos, c'est tellement des gros muscles. Donc, tu as besoin d'un poids plus élevé pour le faire vraiment travailler. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai emmené mes bandes de résistance. Mais sinon, en ce qui concerne leg day, j'emmène 2 15 livres. Donc, ça fait 30 livres. Puis normalement, moi, en ce moment, je m'entraîne avec des 40 à 45 livres. Donc, 30 livres, c'est un peu moins que ce à quoi je suis habituée. Par contre, je sais comment rendre ça intense. Donc, j'ai bien travaillé, c'est pour ça que j'ai encore mal. Mais rest day, moi, je me mets absolument aucune pression d'être active. J'ai 2 rest days par semaine. Parce que je m'entraîne 2 jours, ensuite j'ai un rest day, je m'entraîne 2 jours, ensuite j'ai un rest day. Je me donne tellement les journées que je m'entraîne, puis souvent les journées que je m'entraîne, justement, je vais aller marcher ensuite, après. Donc pendant un rest day, parce que je veux me reposer autant physiquement que mentalement, je me mets aucune pression, je m'oblige pas à rien faire. J'ai appris à ne pas me sentir mal. Puis ça, c'est vraiment important parce que depuis que j'ai transformé ma vie et mes habitudes pour avoir un mode de vie plus actif, je suis habituée de bouger tout le temps. J'ai incorporé la marche, les randonnées, les raquettes presque à chaque jour. C'est devenu une habitude d'aller marcher environ 1 heure chaque jour, été comme hiver. Souvent, pendant mes rest days, je vais au moins aller marcher, mais c'est ça, je ne m'oblige pas à le faire. Là, je suis à l'hôtel. Ici, j'ai trouvé un spot vraiment le fun là, cette semaine. Fait que c'est sûr que je retourne là tantôt pour pousser mon exploration. Donc, je me donne le droit d'avoir un rest day, complètement inactif, que je suis pas obligée de sortir de mon lit si ça me tente pas. Bon, ça n'arrive jamais parce que j'ai un peu de misère à ne pas bouger du tout. Sinon, j'ai des rest days actifs où est-ce que je vais au moins aller marcher ou aller en raquette ou partir en plus grande randonnée ou aller courir plus longtemps. Fait que pendant les rest days, j'en profite pour faire des choses un peu moins demandantes que des fois j'ai pas toujours l'énergie de faire dans une journée où est-ce que je viens de m'entraîner, mais qui me garde active. Ce matin, je ressentais le besoin de faire du yoga, puis de toute façon, dans mes intentions pour l'année 2022, c'était de m'étirer à chaque jour. Donc je suis contente, j'ai focusé beaucoup jambes, là, surtout hamstrings et glutes, là, je sentais qu'il y en avait besoin. J'ai pratiqué un peu mes inversions, là je viens de méditer. Je commence à avoir faim, fait que je vais aller faire mon gruau bientôt, puis après je vais aller marcher dans la forêt.
marchait toute la semaine. Je voulais faire bouillir de l'eau pour mon gruau. Elle marche plus. Je l'ai changé de prise. Puis là, elle a l'air de fonctionner. On va peut-être réussir à avoir de l'eau bouillante. Yay!